Vinicius en couple avec une star de télé-réalité, les infos fuites. Ce jeudi, le Brésil a battu la Serbie, 2-0, pour sa première sortie dans la Coupe du Monde au Qatar. Intenable en seconde période, la Seleção a parfaitement lancé son tournoi en envoyant un message très sérieux à la concurrence. Richarlison a inscrit un doublé. Seul point noir, Neymar s'est blessé, touché à la cheville. Et est forfait pour le match contre la Suisse au minimum. Titulaire pour ce match, l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a encore été précieux. Aujourd'hui, on parle aussi de lui pour sa relation avec une star française de télé-réalité. Vinicius est connu pour avoir une pointe de vitesse exceptionnelle et il représente le futur du Real Madrid. À 22 ans, il a un futur incroyable qui se présente devant lui. Déjà vainqueur du championnat espagnol, de la Supercoupe d'Espagne et bien entendu de la Ligue des Champions la saison passée en étant l'unique buteur de la finale contre Liverpool. Il est aussi un titulaire indiscutable du Brésil, si on en sait moins sur sa vie privée. Cela vient de changer puisqu'une blogueuse vient de balancer sur la jeune femme sur qui il aurait des vues, Belle Longwell. C'est la blogueuse Meia Modf qui fait ses révélations sur Instagram. Elle explique, le joueur qui veut pécho Belle s'appelle Vinicius. Il joue au Real, il est brésilien. Belle et lui sont abonnés l'un à l'autre. La belle blonde est connue pour son fort caractère. Elle a participé à plusieurs télé-réalités comme la Villa des Cœurs Brisés et la Bataille des Clans. Et a eu plusieurs histoires d'amour dans ses programmes. La jeune femme est suivie par plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Le footballeur, lui, par plus de 25 millions de personnes. Donc si la relation est avérée, cela va vite se savoir. En attendant, Vinicius a la tête à la Coupe du Monde au Qatar. On verra peut-être Belle dans les tribunes dans les prochains jours. Affaire à suivre. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont commenté en masse cette information. On a ainsi pu lire sur Instagram et Twitter. Le Brésil affronte la Suisse ce lundi et devra encore jouer contre le Cameroun dans le groupe G du Mondial.